Calais. Pour illustrer ce recul communiste reconnu hier sur notre plateau par Robert Rue, nous avons choisi deux exemples, Argenteuil et Nîmes. Commentaire Thomas Dandois avec Aurélie Legrand. Scène de joie à Nîmes hier soir. La foule envahit les arènes, elle vient fêter l'alternance municipale. Après 6 ans de mandat, le maire Alain Clary doit rendre les clés. C'était la dernière ville de plus de 100 000 habitants aux mains du parti. C'est le poids des urnes à un moment donné. À un moment donné, pas seulement à Nîmes, mais dans notre bon pays de France. Aujourd'hui, le Parti communiste fait le décompte des pertes. Le bilan est lourd, mais Robert Rue, lui, préfère relativiser. Vous savez, ça fait 20 ans qu'à chaque scrutin, on annonce la mort du Parti communiste. Bon, voilà, les résultats sont là. Vous savez, on a le même nombre de villes de plus de 30 000 habitants aujourd'hui qu'on avait dans les années 60-70, où nous avions 20% des suffrages dans le pays. Et pourtant, plusieurs bastions comme Argenteuil ont été perdus hier. Les communistes conservaient les rênes de la ville depuis l'entre-deux-guerres. Pour le maire sortant, c'est une défaite foudroyante. Quantité de gens ont porté leur voix sur le candidat de droite qui lui-même n'espérait pas un tel score. Moi, il me l'a dit tout à l'heure. Pour certains, ces chiffres dépassent le simple signal d'alarme. Et même les rares maires réélus y vont de leur autocritique. À quoi on sert? Pour qui on travaille? Pour quel type de population? Pour quel projet politique? Je crois que si on ne le fait pas, le danger de mort est réel. Avec cette déroute municipale, les communistes ne pourront éviter la remise en question. Et à quelques semaines d'un comité national du parti, le premier secrétaire, Robert Rue, apparaît sérieusement affaibli.